et de son manque d'utilité. Frère, si tu veux donner à Dieu, donne comme ton cœur le dit. Ne cherche pas que tu donnes par rapport à quelque chose qu'on t'impose. Parce que quand on t'impose, ça ne va pas être utile pour toi. Mais quand tu donnes librement, c'est utile pour Dieu. C'est clair. En leur faveur. Amen. Amen. Qui intercède pour toi? Qui intercède pour toi? Vous devez faire votre choix. Ou c'est Jésus qui va intercéder pour vous devant Dieu, ou c'est ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, ton évangéliste, ton diacre, ton ancien, ton frère, ta soeur. Point bas. Les intercesseurs. Ou les intercesseurs, effectivement. Un groupe là. Le groupe des gens qui parlent à Dieu. Ça vient d'où? C'est Jésus qui est l'intercesseur. Arrêtez vos intercessions. C'est pour ça qu'on ne m'aime pas. Mais parce que j'aime la parole. Les gens ajoutent toujours des choses sans importance. Et tellement qu'on s'attache à ça. Quand on dit que c'est Christ qui est ton intercesseur, cela veut dire que si toi tu dis quelque chose à Dieu, Dieu va t'entendre. Tu n'es pas obligé de passer par moi, ni par quelqu'un, ni par le frère Patrick, ni par le frère Eric. Non, passe-toi directement vers Dieu. Car si vous critiquez les catholiques qui passent par Marie, qui passent par Saint-Benoît, pour les femmes qui ont des problèmes dans leur mariage, qui passent par... Sainte Rita. Mais oui, frère, même chez vous, il y a les Sainte Rita. Sainte Rita. Ben oui. Mais si. Non. Chez les catholiques en Haïti, ça existe. Les foulards roses. Ah bon? Sainte Rita, c'est partout sur la terre tout entière. C'est pas congolais, c'est romain, c'est italien. C'est partout où il y a les catholiques. Ah, tu parles de... Voilà, tu cherches le nom chez vous. Ouais, je cherche le nom. Exactement. C'est Sainte Rita. Donc tu cherches tout simplement dans ta langue, mais en français, c'est Sainte Rita. Celle-là qui est spécialiste pour prier pour les femmes qui ont des problèmes dans leur mariage. Voilà, c'est ça. Tu as un problème dans ton mariage? Eh bien, parle à Jésus. Il t'écoutera. C'est lui ton intercesseur. C'est ça, je ne comprends pas comment les gens peuvent se laisser tromper. Comment les gens peuvent se laisser tromper. Oh mon Dieu, comment les gens peuvent se laisser tromper. Un mauvais esprit va fouiller ton couteau. Mais si c'en était ainsi, l'Église catholique aurait fini tous les démons. Ils n'existeraient plus, frère. Parce qu'il y a 3 milliards de catholiques romains sur la terre, s'il vous plaît, des protestants et consorts. Mais attends, soyons quand même réfléchis. Non, les mauvais esprits craignent Jésus-Christ et quiconque est rempli du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, nous devons mettre la confiance en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Nous allons prier. On se lève.